bienvenue sur la chaîne de Keto Santé Plus. Donc avec cette chaîne, je vais vous montrer à quel point ça peut être simple de cuisiner. On n'est pas obligé de passer des heures à cuisiner pour obtenir un bon repas. Ça peut être très simple, très rapide et quand même très délicieux. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire des brochettes à la grecque. Donc on a besoin de poulet. Puis moi, j'ai trouvé des brochettes de poulet déjà tout fait chez Valisson. Donc ça fait une étape de moins à faire. Ou sinon, bien, vous prenez des poitrines de poulet que vous allez couper en cubes ou des filets de porc que vous allez couper en cubes aussi. Le porc ou le poulet fonctionne très bien avec cette marinade. Donc, pour faire la marinade, on a besoin de 3 gousses d'ail, 1 cuillère à thé et demie d'origan, 1 cuillère à thé et demie de paprika, 1 cuillère à thé et demie de sel, 2 cuillères à table de jus de citron, et un quart de tasse d'huile d'olive. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire la marinade dans le Magic Bullet. J'aime ça, je trouve que ça, pour faire les marinades, ça va bien parce que tout est bien mélangé. Mais vous pouvez très bien le faire dans un bol avec un fouet. Donc à ce moment-là, vous allez devoir émincer avec le pressail vos gousses d'ail. Moi, je les ai juste coupées grossièrement. Ensuite, on va mettre notre cuillère à thé demi d'origan. On va mettre le paprika, le sel. On va mettre aussi les 2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc 2 cuillères à table de jus de citron. Et ensuite, on va mettre notre quart de tasse d'huile d'olive. On va fermer. Et voilà, c'est pas plus compliqué, c'est déjà fait. Ça a pris même pas une minute et on obtient une très belle marinade. Donc ensuite, on met ça dans un sac Ziploc. Juste faire attention de ne pas mettre le côté pointu vers le bas, parce que tantôt, je me suis trompée et j'ai mis les brochettes de poulet avec le côté pointu vers le bas, fait que c'était en train de tout percer mon sac, donc c'était pas une bonne idée. On verse la marinade dans le sac. Donc vous, si vous le faites avec des cubes de poulet ou de porc qui ne sont pas déjà en brochette, vous allez mettre vos cubes de porc ou de poulet dans le sac. Donc on enveloppe bien. Ça se fait qu'il y a de la marinade partout. Et voilà, c'est fait. Donc il va juste rester ensuite à les laisser mariner au réfrigérateur, idéalement toute l'après-midi. Et puis ensuite, on les fait chauffer sur le barbecue. Vous allez trouver tous les détails de la recette de brochettes à la grecque sur le site de Keto Santé Plus. Je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être informé de toutes les nouvelles recettes que je vais vous mettre bientôt. Merci!